T'en fais pas, ça va aller, Jill. Bon, toi tu montes la garde. Si le chat se pointe, tu sais quoi faire. Je reviens dans une heure. J'ai l'impression que ce ne sera pas simple. J'ai l'impression que ce ne sera pas simple. Pourrais-je le prendre par surprise depuis cet angle? Ça risque d'être compliqué pour l'atteindre.
Lorsque l'on cherche le silence, le bruit est notre meilleur allié. Elle sent bon la liberté et les hydrocarbures. Hey. Il a du cran, ce chat. Oh!
Que peut bien cacher cet endroit? N'essaie même pas de crier. Je parlerai pas non plus. On dirait une pointe de flèche. Que manigance Mitchell? Mitchell? Je connais pas de Mitchell. À quoi sert cet entrepôt? C'est là que je viens faire ma sieste. Ça me semblait pourtant évident. Réponds à mes questions et je te protégerai de Mitchell. Quoi? À la seconde où il découvrira que tu m'as parlé, il essaiera de te tuer aussi, tout comme il a tué ton pote Randall Lee. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Où est allé Mitchell? Bordel, mais t'es amoureux de ce type ou quoi? Si tu ne me réponds pas, tu vas finir tes jours en tôle. Seulement si je te réponds pas? Eh ben... Je vais te donner une minute pour reconsidérer tes réponses. Mitchell, qui a combattu avec Dunn pendant la guerre, a cherché à se faire passer pour le médecin de Yale. C'est peut-être un totem Ojibwa. Du coup, l'animal du haut doit être une grue. Si je ne me trompe pas, il s'agit de bâtons d'encens utilisés lors de rituels de purification. Un piège à rêve. Il est censé protéger les enfants pendant la nuit en capturant les cauchemars dans sa toile.
D'après ceci, l'entrepôt appartenait avant à une société d'import canadienne. Vais-je avoir besoin d'aide? Qui pourrais-je appeler? Quai 36, dans une heure. Depuis l'entrée sur Montgomery, c'est le sixième entrepôt face à la mer. Qu'est-ce qui se passe? Amenez la cavalerie. Où est allé Mitchell?
te reposer la question. Que manigance Mitchell? Je vais te reposer la question. À quoi sert cet entrepôt? Si tu ne me réponds pas, tu vas finir tes jours en tôle. Je vais te donner une minute pour reconsidérer tes réponses. Tout porte à croire que Jill est un Amérindien, et je suis quasiment sûr que la femme sur la photo est sa mère.
Tu sais, quoi que tu puisses raconter, il n'y a qu'une seule personne qui te croira toujours. Ta mère. Ma mère n'a jamais cessé de croire en moi. Pourtant, je lui donnais bien assez de raisons de le faire quand j'étais gamin. Ça a commencé avec des trucs stupides, comme garder à chaque fois la monnaie quand elle m'envoyait faire des courses. Après, je me suis mis à shipper des fruits sur les étals du marché, et puis j'en suis arrivé à jouer les pickpockets. Je ne sais pas comment ma mère a fait pour que je puisse continuer ma scolarité jusqu'à l'université. Et là encore, je ne lui ai pas vraiment donné de raison de croire en moi. Je me suis fait de nouveaux amis. Le genre d'amis qui trouvent toujours moyen de vous convaincre de faire des choses dont aucune mère ne serait fière. Après, il y a eu Pearl Harbor. J'ai été mobilisé et envoyé en Europe. Je n'ai jamais été capable d'obéir aux ordres. Ils m'ont renvoyé à la maison. Décharge avec déshonneur. Le retour à la vie civile n'a rien arrangé. J'ai été traité comme un paria, un vétéran qui n'avait plus sa place dans la société. Pourtant, ma mère n'a jamais cessé de... Moi aussi, j'ai fait la guerre. C'est comme ça que j'ai rencontré Mitchell. Ils se sont servis de moi comme de tant d'autres de mon peuple. Et après, ils nous ont laissés à l'écart. La première fois que Mitchell m'a proposé de faire ça, je lui ai dit d'aller se faire foutre. J'espérais parvenir à refaire ma vie. Mais j'ai fini par revenir vers lui, en rampant. J'aime pas ce qu'il m'oblige à faire. Et je l'aime pas, lui. J'aime pas non plus ce sale rat, mais celui que je déteste par-dessus tout, c'est moi-même. J'aime pas ce que j'ai fait à la guerre, et j'aime pas ce que je fais en ce moment. Tu sais ce que c'est que de buter un ami pour le bien d'une mission ? Ah. Mais ma mère, elle a toujours cru que j'arriverais à me racheter et à prendre un nouveau départ. Il est temps que je me consacre à ça. Numéro 3.